Le deuxième face au troisième. Poitiers Basket 86, Rueil Malmaison. 11e journée de National 1 masculine de basket. Proche. C'est un peu plus proche, mais ça prend, peut partir. On prend. Et ça, c'est très très loin pour Marcus. Et ça, on prend aussi. Pour ce début de match, oh, belle défense de la part de Charlie qui va aller au bout. Oh, Charlie Potins. Des deuxièmes shoots, des troisièmes shoots à Rueil en ce début de match. Ah, le joli bien joué. Oh, le joli petit move de Warren. Charlie qui... Ça va jouer. Oh, bien l'opposé pour Marcus Relford. 2 sur 2. Il y a 3 heures de décalage avec La Réunion. Donc il est 23h. Et là, il n'y a pas eu de décalage horaire avec ce 3 points. Encore un shoot pour Marcus. Compliqué le jeu offensif pour le moment. Ouh, bien joué, jolie passe de Warren Racine, des Parisiens. Encore un pour Warren, mais celui-là, il est dedans. C'est une équipe de haut de tableau. Hein. Allez, Kevin. Ouh, ce shoot très bizarre. Oui. Il a déclenché très bizarrement ce shoot. Bon, qui rentre petit à petit dans son match. Ça commence généralement par Marius, ça continue avec Alexis. Ouh, lui, il n'est pas mineur du tout. Vachement négatif. Enfin, 5... Le 5 majeur bis. C'est ça. Ça, c'est encore une bonne position. Et ça fait ficelle pour les 3 points, là. Et il aurait pu avoir marché. Rueil Malmaison. Jolie feinte, ça va aller au bout. Ouais. Bien sûr, sur sa main droite, Steven Ricard. Faisons le numéro 2 du classement provisoire de NM1. Bien et joué, bien joué, Ivan. Allez, et de retour aux affaires remet, comme Mbaya. Oh, voilà, Mbaya aussi, il est de retour aux affaires. Rueil, on sent qu'ils sont rentrés dans leur match, ça y est. Oh, oh, 3 oh, sur 3. Oh, oh, oh. Allez, plus costaud, Kevin Mendy, est-ce qu'il va aller au bout? Bien sûr. Il y va au bout, Kevin. Il y va, il y va, il y va. Faut qu'il aille mettre des points. Oh, la passe, la passe laser. C'est bien payé. Mais d'ailleurs, les Vincent, parce que quand on voit que Ricard a de la bouteille. Ouais. Regarde. Hey, allez, Kevin. Et 15 points contre les JSA Bordeaux quelques jours auparavant. Bien joué. Ça va être dur, mais ouais, c'est payé. Voilà. Rueil Malmaison qui va en percussion et qui va marquer ses 2 points. Il y a 2 ans, ils avaient joué en équipe de France ensemble. Et vice-champion d'Europe, c'est oh ça. Il est chaud. Il est chaud, Fortas. Ouais, ça. Ça va vite. Et ça, c'est un bon shoot. Ça, c'est joli. Allez, Poitiers qui doit... Allez, Mathéo. Et oui, ouais, Mathéo le gars. Oh, oh, il est chaud. Il est chaud. En terrasse, en plein été, qui font très vite. Wow. Et voilà, je vous le disais. Marcus Relford dans 1 contre 1. Mais bien sûr, c'est dedans. Coste à 3 points. Allez, ça part. Il est tout seul, Marcus. Et Citan, elle est magnifique. Waouh, c'est propre. Il y a de lag en termes de réseau. Voilà, veuillez nous en excuser, on essaie de résoudre le problème le plus rapidement possible. Par contre... Il a hésité, Plocost. Ouais, il a hésité, mais le filet... Oh, bon, je trouve ça vraiment, bah, vraiment j'ai vu l'émotion quand tu lisais, c'était... Oh là 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 là, Ricard dedans. Plus 2 pour les poids de 20. Oh, la petite passe dans le dos de Marcus Relford pour Charlie. Oui. Oh, et posté. C'est du highlight. Ouais, c'est ça. Blocost. Oh, oh, ça aussi. Quel niveau de jeu. Prochain, la piscine de la Ganterie pour le derby de du Poitou-Charentes. Oh, yeah, yeah, bien joué. Halle de Saint-Éloi, Jean-Pierre Garnier en ce mardi soir. Allez, Marcus. Marcus, la petite main droite. Bien suivi par l'Ouvre Mazaline. Ouais. Il fallait juste demander. On se lance dans le troisième quart-temps. Interception des poids de 20. Allez, va au bout. Oui, monsieur. Dans ce troisième carton. Jolie passe. On va raccrocher. Vincent est en train de faire tomber la veste. Non mais il Vincent fait chaud, chaud, il fait chaud, il fait de dingue. Et oui, et Charlie par contre il met des points. Ouais, Charlie, je conserve cette petite avance de 6 points. Et bing bing. C'est beau ça. Ouais. Interception et ça repart. Surnombre, est-ce que ça va aller au bout? Oh, bien joué ça. Très très ça, très bien très joué très de la part de joué. Fortas, également. Pas de petit bobo, ou en tout cas on n'est pas au courant. Aïe 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 aïe, Plocos qui prend feu. Des questions de perspective en fait. Oula, ça déclenche de loin. Il est à 8 mètres. Ce shoot,
Interception, il reste 6 secondes, ils vont pouvoir jouer le surnombre. Et c'est Steven Ricard qui va mettre encore 2. Entre guillemets. Allez, oui, bien joué, c'est bien joué ça. Ouais. Mais ne lui laissez pas le ballon à cet homme-là. Aïe, aïe, aïe. Au top de ce championnat de N1. Allez, Matteo, bien sûr, en poste haut. Matt comme le ça. Gars, nous dit Mr. Punchman sur YouTube. Allez, le PB, on continue comme ça et on le gagne ce match. Encouragement de la part de Théo. Allez, Matteo, Oui. Voilà. Utilisez le public de Poitiers qui commence à monter un peu Florian d'intensité. Florian Fortas. Exception de Marcus qui pensait, qui pensait avoir mis le pied à l'extérieur. C'est ça. Et Lovro Mazaline. Ouais, même Marcus Relfort s'est arrêté sur sa course. On a besoin de Lovro Mazaline du côté du PB en cette fin de match. Oh, ce shoot. Avantage de taille, bien sûr, du pivot sur Matteo Lega. Jones qui a demandé temps mort. Steven... Oh là là, il est Steven en feu. Ricard. On va peut-être chercher dedans Lovro Mazaline. Allez, faut le jouer, bien sûr, c'est ton jeu. Le public Poitevin est debout et la balle est à Relfort. Et Marcus Relfort. Mais il faut défendre. Allez, ça va être tendu. Oh, bien joué de la part de Rouet qui a bien géré ce PB 86. Et Ricard, Steven Ricard. Corner. Il est Steven Ricard. Allez, Warren Racine qui va jouer le 1 contre 1 contre Jim Seymour. Oh là là, faut pas le laisser tout seul, ça. Wow. Oh là là, il est loin, Matteo. Il est loin, il est en réussite. Et c'est la fin. Et ça, c'est siffle. La fin de ce match. 95-88. Victoire de Rueil Malmaison dans ce match dingue. Match pour la deuxième place. Victoire de Rueil dans un match dingue. Poitiers a été mené. Poitiers basket 86-88. RAC basket 95.